matin, j'espère que vous allez bien. Il est 9h25 et on attaque une nouvelle semaine. L'avant-dernière semaine avant les vacances, je suis trop contente, j'ai trop hâte d'être en vacances. Bref, je vous montre rapidement la tenue du jour pour commencer et après je vous parle. Alors, tenue du jour, j'ai une veste, bon je l'ai pas enlevée mais je vais l'enlever dans la maison bien entendu. Veste de Shein, veste en jean qui est un peu crop, que j'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie. Et bah, je vais enlever la veste pour vous montrer ce qu'il y a en dessous quand même. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est une robe que j'avais eue chez Look Hero, je crois. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Elle est trop belle. Elle était vachement serrée l'année dernière et elle est beaucoup moins serrée maintenant. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà un petit peu ce que donne cette petite robe un petit peu bohème que j'aime beaucoup. Et Birdie qui vient nous faire un petit coucou. Des collants, bien sûr, parce qu'il fait pas très chaud. Et des petites baskets un petit peu tweed que j'aime beaucoup. Voilà un petit peu pour la tenue. Au niveau des bijoux et du make-up, le collier vient de chez Constance. Constance et compagnie, avec les petits bracelets que je vous avais montré la semaine dernière. Les petites boucles d'oreilles, c'est Stella & Dot, ça fait très longtemps que je les ai. Celui-ci, il me vient de chez celui-ci, que je vous dise pas de bêtises, je sais plus. Si, Happiness Boutique, celui-ci. Et puis au niveau des bagues, j'ai rien mis encore, et bracelets non plus, on verra ça tout à l'heure. Au niveau du make-up, je me suis maquillée avec la palette Féline de chez Sephora. Et sur les lèvres, j'ai le mocha chic de chez L'Oréal. Voilà. Donc ce matin, au programme, il faut que je monte le vlog comme tous les lundis. Et faut que je vous tourne la vidéo du jour. Alors comme vous avez pu le voir, dimanche, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai absolument pas eu le temps de la monter. Donc la vidéo que j'avais prévue dimanche, je vous la prévois pour dimanche prochain. Et cette semaine, j'ai deux petites vidéos box à tourner, donc je vous les mettrai dans la semaine je pense. Et puis j'attends également un colis normalement d'un site chinois que j'ai jamais testé et que je vais tester. Donc ça c'est cool. Donc là tout de suite maintenant je vais vous tourner deux vidéos box et tout de suite après je vais monter le vlog. Donc voilà un petit peu le programme de la matinée. Cet après-midi il faut que j'aille faire des courses parce qu'on a du monde ce soir, et voilà le programme un petit peu du jour. Donc ce sera vachement axé YouTube, montage vidéo, tournage de vidéo, etc. etc. Et cuisine cet après-midi pour les amis ce soir. Voilà, allez, à bon, tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé tout à l'heure? Là, il est 14h10. J'ai monté mon vlog. Enfin, avant tout, j'ai tourné deux vidéos sur deux box différentes. J'ai monté une des vidéos pour vous l'ayez ce soir, donc lundi soir. Ensuite, j'ai attaqué le montage du vlog pour mercredi. Il est monté, c'est bon. J'ai reçu une commande, j'ai reçu ma Look Hero ce matin, donc du coup je l'ai filmé et je l'ai filmé parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, le temps que mes vidéos, mes fichiers s'upload sur le PC pour pouvoir vous monter le vlog. J'ai filmé la vidéo Look Hero, d'ailleurs il y a des petites pépites. Et là je voulais vous montrer parce que j'ai passé une petite commande sur Birchbox avec les points que j'avais en milieu de semaine dernière, et je l'ai reçu samedi, donc je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs il y avait une carte écoutez, je vais vous le montrer. Il y a un 5€ offert, des 20€ d'achat, offre unique et personnelle. Donc si ça vous intéresse d'avoir le code, et ça ne servira que pour une personne, mais bon on ne sait jamais, je vous le montre. Voilà pour le code. Donc à celle qui va se ruer dessus, bah, c'est bien pour toi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Attendez, je balle tout ça sur la table. Hop. Donc c'est une commande qui s'est axée quand même beaucoup, voire entièrement sur la marque Saint-Gervais Mont-Blanc. Vous savez que j'ai déjà reçu pas mal de produits de la marque, mais j'adore ces produits. Je les trouve vraiment géniaux et je les utilise en ce moment pour ma peau, et je trouve que ma peau, elle est super sympa. Donc il me fallait un démaquillant, enfin je voulais un démaquillant un petit peu différent. Donc j'ai pris le lait démaquillant thermal, démaquillant douceur, hydrate pour les visages et les yeux sensibles. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un lait démaquillant hein, tout simplement. Donc à voir s'il est bien ou pas. On verra ça, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ça sent bon. À tester. J'ai pris également le soin de nuit réparateur, réhydrate et régénère à l'eau thermale toujours. Pour les peaux sensibles, déshydratées, normales à sèche. Donc c'est un tube hein. Voilà, c'est un petit tube comme ça, et en plus c'est pas très gros, donc pour partir en vacances ce sera cool. J'ai pris également le doux gommage thermal, lisse, purifie, ravive le teint,
parce que je voulais un gommage. Vous savez que j'ai le gommage de chez Protocol, mais je voulais un deuxième gommage qui soit un petit peu différent. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour finir, j'ai pris un baume à lèvres toujours de la marque Saint-Gervais Montblanc. Donc c'est un baume à lèvres, bah, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Un petit baume à lèvres, voilà. Et en échantillon, j'ai eu... qu'est-ce que c'est que ça? De la marque Antipode, je connais pas du tout cette marque. Avocado Pear Nourishing Night Cream. Donc c'est une crème pour la nuit de la marque Antipode à l'avocat. Et de la marque Arnaud Paris, une crème premier jour. Une crème de jour et un concentré premier de nuit. Voilà. Un petit lot comme ça. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vais mettre ce qu'il y a à mettre à la poubelle, à la poubelle. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai je crois que c'est par TRND. Donc TRND, c'est une plateforme où tout un chacun, donc c'est-à-dire les influenceurs, mais également vous, pouvez faire des demandes pour tester des produits. Donc si ça vous intéresse, je vous remets le lien TRND en barre d'infos. Je crois que j'ai un lien de parrainage, donc je vous le remets en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'aller voir, ils font très souvent des propositions. Il y en a quasiment toutes les semaines, il y a des propositions différentes pour tester des produits. Et là, il y avait OK, donc la marque OK, vous savez, la marque d'essuie-tout OK, qui proposait de tester des nouveaux essuie-tout, des pratiques essuie-tout, ils appellent ça. Donc ça se présente, hop, comme ça. Donc ça fait comme une boîte à mouchoirs, à part que vous avez un petit carton au-dessus, mais que ça, vous voyez, c'est tout mou. Et en fait, les essuie-tout sont dans des... dans une... Tu sais, j'ai enlevé... Hop, hop là. Je vais enlever ça et les essuie-tout sont là-dedans. Donc je trouve ça hyper pratique, par exemple, si vous voulez laisser dans un bureau ou laisser dans une voiture ou des choses comme ça. Je trouve que c'est bien pratique parce que c'est bien enveloppé, c'est bien fermé. Vous avez juste à retirer, vous voyez là, vous avez ouvert ici, donc ça vous fait une toute petite ouverture. Et c'est des feuilles à feuilles. Donc je trouve ça hyper cool. À l'intérieur, vous avez 70 feuilles. Donc voilà, je trouve ça hyper bien. Alors attendez, j'ai des papiers dans le fond et j'en ai reçu 4, donc il y a des designs différents en fait. Attendez, je vais déballer, je vous montre ça. Donc voilà un petit peu, moi j'ai reçu 3 designs différents puisque celui-ci et celui-ci sont les mêmes. Donc il y a 3 designs comme ça. Hop, donc vous avez le tout simple en vert comme ça, celui-ci qui est un petit peu plus psychédélique on va dire, et celui-ci avec les feuilles. Mais je vois que vous en avez d'autres, attendez, je vais essayer de vous le montrer là, ce sera peut-être plus évident. Vous voyez, vous en avez un noir, vous en avez un beige également, et vous en avez un blanc et bleu comme ça. Donc voilà un petit peu, donc là ils expliquent un petit peu comment on fait pour participer à tout ça. Vous recevez à chaque fois des petits coupons de réduction que vous pouvez partager auprès de vos familles et amis. Donc voilà, il y en a plein. Et après, il y a comment réussir de belles photos pour la campagne. Donc voilà, je voulais vous en parler, même si je n'avais aucune obligation de vous en parler ici. Mais je tenais à vous en parler parce que je sais que certaines auraient bien envie de faire des petits tests un petit peu comme nous, youtubeuses. Et c'est sympa d'avoir ces plateformes-là. Alors, il en existe plein d'autres. J'en connais d'autres, je vous en mettrai en barre d'infos. Mais si vous, vous en connaissez d'autres, que vous aimez beaucoup participer à ces tests comme ça, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Ça pourra aider certaines qui voudraient faire des petits tests. Donc pour ces tests, vous avez juste besoin d'en parler sur vos réseaux sociaux. Il y a des... ou en parler autour de vos amis, pas forcément sur les réseaux sociaux, autour de vous, auprès de vos amis, pas forcément sur les réseaux sociaux. Par contre, vous avez des questionnaires à aller remplir sur le nombre de gens que vous avez pu toucher, etc., etc., etc. Donc voilà, moi je suis bien contente parce que je pense que je vais en donner un chéri pour qu'il mette dans sa voiture parce que ça peut être pratique. J'en mettrai un dans le bureau parce que ça peut être pratique aussi. Et puis, l'autre, on va le garder de côté pour l'instant. Bon. Il faut que cet après-midi, que je range un petit peu tout ce que je viens de vous parler là, parce que c'est un peu le bordel, que je fasse tourner une lessive, ou je la ferai tourner demain ma lessive, je sais pas, je vais bien voir. Parce que comme on a des amis ce soir, j'ai pas envie que mon linge pendouille. Je vais voir. Que j'aille faire les courses, il est 14h bientôt 30, donc va falloir que je me bouge les fesses, parce qu'en rentrant, il faut que je fasse un petit peu de rangement aussi, parce que c'est un petit peu le bordel. Bref... Bouge-toi les fesses Hélène, c'est le moment. Bon voilà, je suis rentrée des courses. J'ai un bouton qui me pousse là, ça fait trop mal. Vous savez les gens, le petit bouton qui pousse à des endroits incongruis et des moments. Donc voilà. Je suis rentrée des courses et tout, donc finalement ce soir ce sera raclette. J'ai envoyé un message à chérie pour qu'il me ramène du pain parce que le lundi, il n'y a pas de pain au supermarché où je fais mes courses.
Donc voilà, petite raclette. Chérie m'avait dit ce matin, je voudrais bien une raclette et tout. Je lui ai dit, oui, on verra. Je vais peut-être un truc au Cookéo. Et puis finalement, je lui ai pris raclette, il sera content. Et tout le monde sera content. Et c'est facile, c'est rapide, il n'y a pas de cuisine à faire. Donc c'est cool. Ce que je vais faire là tout de suite maintenant, c'est ranger des petites choses. Parce que ce matin, comme vous pouvez le voir là-bas sur la table basse, je vous ai tourné deux vidéos et les box sont toujours sur la table. Je vais ranger ça. Je vais ranger un peu ce qui traîne, qui n'a rien à faire à l'endroit où ça est. Passer un petit coup d'aspi, remettre le canapé en place. Enfin voilà, faire tout plein de choses. Mais avant tout ça, je vais me prendre un petit café parce qu'il est 16h05 et que j'ai envie d'un petit café. Café les gars. Bon, je vous laisse, je me fais mon café et je vous dis à tout à l'heure. Mais dis donc, c'est qu'il ferait limite chaud quand on s'active. Donc voilà, j'ai tout remis en place, tout est en ordre, tout est ok, c'est bon. Il y a juste le sac Maison du Monde là-bas qu'il faut que je mette à la poubelle. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai un sac Maison du Monde, parce que vendredi j'étais passée chez Maison du Monde pour voir quelques petites choses, principalement les coussins. Je voulais des coussins verts, j'en ai pas trouvé, je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Et je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais pris du moutarde mais que j'étais pas sûre. Donc j'ai essayé et finalement ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le noir je l'avais déjà, c'est un coussin qui vient de chez Action il me semble. Les nouveaux bah, c'est ceux-là. Donc il y a The Happy Dream Big Just. Donc This Happy Dream Big Just Do Your Best. Donc voilà. Et les derrière est en moutarde comme ça. Et j'ai pris également ces petits là qui sont trop mignons, avec un aspect un peu velours comme ça. Et derrière ils sont normaux. Donc ceux-là je les ai pris en long pour mettre, hop, comme ça, sur les accoudoirs pour cacher un peu la misère. Et puis j'ai gardé ceux-là parce que je trouve, faut que je les lave d'ailleurs, mais je trouve qu'ils vont bien avec l'ensemble. Donc voilà, finalement je ne suis pas trop déçue de ces petits coussins de chez Maison du Monde. Je trouve que ça fait bien. Bon là, avec le soleil qui vient frapper, on voit que dalle. Et sinon, chez Maison du Monde, j'avais aussi pris cette petite chose. Donc voilà, home en bois avec du moutarde. Alors j'avais l'intention de mettre du moutarde et puis je me suis ravisée. Bon, je vais pas le laisser là, mais je vais poser là pour l'instant. Puis finalement le moutarde j'aime bien. Ouais, le moutarde ça me va bien. Puis ça va bien avec le dessus que je mets sur mon canapé. D'ailleurs si vous vous souvenez, c'est une fouta que j'avais eu dans la box je ne sais plus son nom. Enfin dans une box. Et je le mets en jeté de canapé et j'aime bien. Donc voilà un petit peu. J'ai bien fait d'ouvrir ça parce que la température remonte dans la maison. Il y avait 18 ce matin et là on arrive à 19,5. Comme il y a 20,6 dehors, si on ouvre, ça fait du bien. Là ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher mon linge quand même parce que je l'ai fait tourner finalement. Donc je vais l'accrocher et puis il est quelle heure? Il est 5h30 donc tout va bien. J'ai fait ma cuisine aussi. J'ai fait les toilettes et tout, donc tout est parfait, tout est ok. J'aurais plus qu'à faire cuire les patates tout à l'heure. Donc je vais accrocher mon linge en regardant une petite vidéo YouTube. Mais avant, je vais faire rentrer Birdie qui doit être derrière la porte en train de faire sa malheureuse. Regardez. Voilà, c'est ma malheureuse. Tu veux rentrer? Oui. Bon allez, je la fais rentrer. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Il est 9h05 et on attaque une nouvelle journée. Ce midi, je vais manger avec ma maman puisque demain, elle est occupée. Donc, on va faire ça ce midi. Et j'ai envie de vous montrer la tenue du jour parce que je la trouve plutôt sympa. Donc, alors, voilà la tenue du jour. Donc, la chemise, c'est une chemise Closet by Lo que j'ai eue dans une Look Hero que je trouve super jolie avec ses petites girafes comme ça. J'aime bien le bleu mélangé au marron un petit peu. Je trouve ça très sympa. Voilà, le jean, c'est un Lolita Guyot. Je l'adore, il est sympa. En fait, il a plein de boutons là. Mais voilà, je trouve assez joli. La ceinture, c'est une ceinture qui vient de chez Bonprix avec plein de strass, je vous l'ai déjà montré. Et les petites chaussures, c'est des petites Converse bleu marine. Donc voilà un petit peu pour le look du jour. J'en suis trop fan. Cette chemise, elle est trop belle. J'adore. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai des grandes boucles d'oreilles comme ça que j'avais vu sur AliExpress il y a très longtemps. Mais je trouve que ça fait sympa avec la tenue. J'ai lâché mes cheveux pour une fois, ça change. Au niveau du make-up, je me suis maquillée avec la palette Naked Reloaded que je viens de recevoir ce matin. Et sur les lèvres, c'est le Globetrotter de chez Maybelline en Superstay Matte Ink. Donc voilà, ça revient avec la couleur des girafes, donc je trouve ça très joli. Voilà un petit peu pour la tenue du jour. Et au niveau des bijoux, j'ai deux petites bagues. Il y en a une, c'est ma box bijoux. Et celle avec la petite étoile qui pendouille, c'est Aura Création. Je vous remettrai, c'est la youtubeuse Amy. Je vous mettrai son site en barre d'infos. Et il faut que je trouve des petits bracelets. Donc je pense que je vais mettre celui-ci.
et celui-ci. Ouais, je vais bien voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vais faire quelques petites choses que j'ai à faire. Et je vous retrouve plus tard. Bon, voilà, je suis rentrée de chez ma maman. Bon, la coiffure a pris cher. Je vais me les attacher de toute façon parce que je supporte pas quand ils sont détachés. Je vais faire des photos pour Vinted parce que j'ai plein de photos à faire, plein de trucs à mettre en vente. Donc, je vais faire ça cet après-midi. D'ailleurs, je vais vous prévenir sur Insta. Comme ça, vous le saurez et vous pourrez aller voir directement. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu mon occupation de l'après-midi, des mises en vente Vinted. Et voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vais faire tout ça. Coucou. Bon, hop, lumière. On se retrouve dans le bureau parce que je vais travailler un petit peu. Il doit être 16h. 16h04, pile poil. Je ne m'y fais pas d'avoir les cheveux lâchés, surtout qu'ils sont pleins en ce moment, c'est une catastrophe. J'ai pas mal de courriers à traiter. J'ai des devis à sortir. J'ai ma compta... Je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru pour aller chercher un truc dans le garage parce qu'il pleut un peu et du coup voilà. J'ai ma compta de septembre à regarder un petit peu. Donc voilà, comme tout début de mois, hein. Boulot, boulot, je vais déjà m'attaquer à tout ce courrier. Je vais déjà m'attaquer à déballer tout ce courrier, voir ce qu'il donne. Et puis en même temps, je vais imprimer tout ça. Enfin voilà, un petit peu de boulot. Et sinon, je vous ai mis en ligne toutes les choses Vinted que j'avais à mettre en ligne pour l'instant. Donc il y a bien pas mal de choses qui partent déjà, donc c'est cool. Et puis j'irai demain au relais. Je vais imprimer les bordereaux, je ferai les colis en fin de journée. Et j'irai demain au relais déposer tout ça. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vais bosser. Voilà, on finit de travailler. Il est 18h. 25 bientôt. J'ai imprimé mes bons Vinted de ce que j'ai vendu aujourd'hui. Donc j'ai 7 envois à faire. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Comme ça, je pourrai les poster demain. Journée très productive aujourd'hui. Très 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 productive. Et oui, j'ai réattaché mes cheveux. J'ai l'impression que je fais vieille aigrie quand j'ai les cheveux détachés. Donc je me préfère les cheveux attachés, que voulez-vous. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bon. Je vais m'occuper de ça. Je vais déjà préparer les fringantas de ce qui est à partir. Et une fois que j'ai fait ça, j'irai chercher les cartons dans le garage qu'il me faut pour les envois. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 9h10 et on attaque une nouvelle journée. Je vais vous montrer la tenue du jour parce que j'aime beaucoup. Et mon chéri m'a dit que ça m'allait bien. Ça m'allait très bien et que ça me ressemblait. Donc je vous le montre. Et c'est quelque chose que j'ose pas trop. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo Chine, vous allez comprendre. Je vous montre. Voilà, tenue totalement Shein aujourd'hui, mais alors complet. Hein. Des chaussures, il n'y a que les sous-vêtements qui sont pas Shein. Et les bijoux. Donc j'ai le petit pantalon à carreaux que certaines m'ont dit que ça faisait pyjama. Mais mon chéri m'a dit non, il n'y a plus de pyjama comme ça maintenant. Mais bon. Un chéri quoi. Voilà, le petit top, c'est le petit top avec de la dentelle au niveau du haut que j'ai en plusieurs couleurs. La petite veste en jean vient de Shein également. Les petites baskets viennent de Shein également. J'adore cette tenue. Je me sens trop bien dedans et c'est super agréable. Donc voilà, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime beaucoup. Voilà un petit peu pour la tenue du jour. Alors désolé, il y a encore un petit peu le contre-jour, là vous voyez mieux. Voilà un peu. Au niveau des bijoux, les boucles d'oreilles, c'est ma box bijoux. Le collier, c'est ma box bijoux. La petite bague, c'est ma box bijoux. Et j'ai toujours pas mis de bracelet. Et au niveau du make-up, je me suis maquillée avec une palette Urban Decay. C'est une petite Naked on the Run. Je vais vous la montrer. Et le rouge à lèvres, c'est un Sephora. Je vais vous montrer la palette. Vous savez, je vous avais partagé un bon plan sur Felunique, je crois, la semaine dernière. Et donc, le rouge à lèvres, c'est... un rouge velouté brillant de chez Sephora en teinte 03. Bon, j'ai déjeuné, mais il est toujours là. Et la palette, c'est celle-ci. Voilà, c'est la UD On The Run. Voilà, et c'est la Shortcut On The Run palette. Et à l'intérieur, il y a des fards comme ça. Et c'est un peu les couleurs de mon make-up. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup, voilà, et j'ai changé le fond de teint aujourd'hui parce que j'utilisais celui-ci, le Nude Air Sérum de Teinte chez Dior, et en fait je l'ai en teinte 30 et ma maman m'a dit hier, faut faire attention, ton fond de teint est trop foncé, et ça fait plusieurs jours que je le pensais, donc du coup j'ai repris mon Chanel, c'est le... Perfection Lumière Velvet de chez Chanel, je l'ai mis en teinte 30 et ça a l'air d'aller aujourd'hui.
Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Au programme, j'ai des ventes Vinted à emballer. Donc il faut que j'imprime les trucs et tout. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'avais dit, faut que je regarde les mails de la société. Faut que je vous montre des vidéos et faut que je vous tourne une vidéo. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Il faut que je regarde parce qu'on a reçu des propositions. En fait, on a reçu ça. Voilà, c'est des maisons de pub en fait qui font des stylos et ils nous envoient des stylos tous les ans pour, voilà, pour la fin d'année. Et franchement, le stylo est très joli, il est plutôt pas mal, il est super agréable, il est beau et il est lourd et tout, et il écrit super bien. Ils sont pas chers, ils sont à 69 centimes pièce, donc ça vaut le coup. Donc on va regarder à ça, je vais regarder à ça aujourd'hui un petit peu aussi. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui. Comme vous voyez là, il y a des cartons Chine qui, enfin des cartons Chine, n'importe quoi, des cartons qui sont prêts à partir de mes ventes Vinted. Alors normalement je vais essayer d'y aller cet après-midi, au pire j'irai demain, mais normalement c'est cet après-midi. Et voilà, d'ailleurs il faut que j'envoie un message à ma maman, donc je vais le faire tout de suite. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Il est 11h, j'ai travaillé un petit peu ce matin, j'avais des petites choses à faire. Et j'ai imprimé les bons Vinted comme je vous avais dit que je dois encore envoyer. Faut encore que je fasse deux colis. Désolée, je dois vous donner la bougeotte. Faut encore que j'emballe deux colis de jeans. Et puis voilà. Et là, la luminosité est plutôt pas mal parce que ce matin, le soleil venait directement. Et comme vous l'avez vu, pour filmer une vidéo, c'est pas top. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous filmer la vidéo. Donc voilà. Et c'est un petit avant de versus réalité qui m'a l'air assez sympa, avec des petites robes pour les fêtes qui peuvent être sympas aussi. Donc je vais aller voir au courrier s'il y a des choses d'arriver et je vous dis. Voilà, vidéo tournée, ça c'est cool. Et vous savez quoi, j'ai pensé à un truc tout à l'heure en allant chercher le courrier. C'est que j'ai rendez-vous chez le veto pour Birdie aujourd'hui. Donc j'ai dû rappeler mon veto parce que j'avais pas noté le rendez-vous, comme une quichette que je suis. Et que je ne savais, enfin j'avais un doute sur l'heure en fait. Donc j'ai rendez-vous à 15h45. Donc voilà, c'est le rendez-vous de contrôle voilà, qu'on fait d'habitude avant les vacances. Avant de partir en vacances en août, là on est au mois d'octobre. On est un poil en retard, mais bon tout va bien, c'est pas grave. En plus avec tout ce qui s'est passé là, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Mais on va aller au rendez-vous pour le veto. Va le veto. T'aimes pas ça, il va faire des pic-pic à tes fesses. Il va faire des pic-pic à tes fesses le veto. Elle est dubitative. Bon, je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai sur la table et partout parce que j'ai essayé du linge, donc forcément il y en a partout. Et puis je vais me caler au montage vidéo. Il est midi. Il faut que je me mette pour objectif avant 14h d'avoir monté deux vidéos. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue parce que j'avais froid et que l'autre pantalon assis, c'est juste pas possible. Il est pas extensible du tout et aux cuisses, j'ai l'impression qu'il me cisaille entre cuisses, mais c'est une horreur. Bref, c'est un pantalon qui est très bien pour être debout, mais assis, c'est un peu plus compliqué. Et comme je vais rester assis un moment à la chaise, assis sur une chaise, oui bien entendu Hélène, pour monter des vidéos, je me suis changée, j'ai mis un pantalon beaucoup plus agréable et un pull loose. Et ce sera très bien pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là, il est 14h, entre 45 et 50. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté? J'ai monté les vidéos, j'ai mangé, j'ai monté 3 vidéos d'ailleurs. J'ai mangé, j'ai rangé ma cuisine parce qu'hier, chérie, rentrait très tard. On a mangé à 22h. Et du coup, j'ai pas du tout... vu pour ranger tout ça, j'ai dit laisse tomber, je le ferai demain. Donc j'ai fait ça et là je vais préparer les affaires de Miss Birdie parce qu'on va pas tarder à aller au veto. Donc je vais sortir son collier, la laisse, elle est dans la voiture, je crois que vous allez voir, et le carnet de santé. Voilà. Bon bah écoutez, normalement tout est là. Voilà, pas que j'oublie, Docteur Nonos, carnet de santé, voilà. J'avais eu ça sur, alors c'est la marque DLP, je sais pas ce que c'est. Design by, je sais pas quelle marque c'est ça. Enfin bref, c'est la marque DLP, c'est marqué comme ça. Vous pouvez trouver ça, je pense, ce protège carnet de santé pour chien, et vous pouvez trouver ça. J'avais eu ça sur showroom privé ou vente privée il y a... Il y a des années maintenant, et j'avais pris le même pour ma maman. Donc ça fait bien 5 ans qu'elle l'a, et 4 ans ou 5 ans qu'elle l'a. J'aime bien parce qu'au moins tout est dedans. Je garde toujours toutes les factures et tout. Enfin voilà, j'en garde peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est comme pour les voitures quand on les vend.
Maman, elle te compare à une voiture, ma doudou. Toi aussi, tu te prépares? Ben, faut attendre un peu encore. Là, il est un peu tôt. On a rendez-vous à 14h45, chérie. Dis. Oui, il y a Birdie qui a entendu son collier, donc elle arrive. On a rendez-vous à 14h45, donc on va attendre un petit peu. Hein? Ouais. Donc, je pense que je partirai d'ici... là, il est moins 10, d'ici 20 minutes à peu près. Donc, voilà. Je me prépare tranquillement. J'ai bu mon café aussi, donc voilà. Tranquille. Je vais peut-être regarder pour envelopper les deux... Les deux colis Vinted que j'ai encore en préparation. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? Ah, j'ai mis un verre. Magnifique. Les deux colis Vinted que j'ai encore en préparation, donc c'est deux jeans. Je vais regarder pour envelopper ça, comme ça ce sera fait. Et j'ai encore fait des ventes, donc il faudra qu'en rentrant que j'aille imprimer des choses. Et je pense que j'irai au relais demain. Parce que mon relais, normalement, son ouverture c'est 14h30, mais il ouvre jamais à l'heure. Et après, ça va être compliqué pour aller mener Birdie au veto. Donc, je pense que j'irai mener mes trucs au relais demain. Pas demain matin, ma maman passe, donc demain après-midi. De toute façon, on n'est pas une journée près, hein. Les ventes ont été faites hier, donc tout va bien. Voilà, comme ça j'aurai tout prêt et tout se ramener. Bon bah écoutez, moi je vous laisse pour l'instant. Je vais regarder ces deux jeans pour les emballer. Et puis je vous dis bah, tout à l'heure. Je stresse un petit peu, je vous dirais, de... Je pense à Jenny, au pays de Jenny, qui dit toujours qu'elle stresse quand elle va amener Boubou au veto. Et ben moi c'est un peu pareil, quand je mène Birdie au veto, je stresse un peu. Normalement tout va bien, il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est toujours le petit stress du veto, voilà. Rien de spécial, bon après il faut que je lui dise quand même, elle boite un petit peu au niveau de... Quand, des moments quand elle se lève, elle boite un petit peu d'une patte arrière, mais bon je pense que c'est l'âge aussi qui fait que... On verra bien, mais en attendant on va aller faire pic-pic. Hé, tu vas faire pic-pic au veto? T'aimes pas aller au veto, hein? Bah oui, en plus quand je la mets dans la voiture, elle va croire qu'on va chez mamie, mais on va pas aller chez mamie. Bon, j'aurais du linge à accrocher aussi, mais je ferai ça en rentrant. Allez, bon voilà, revenu du veto. Je suis pleine de poils parce que Birdie s'est collée à moi. Elle s'est cachée sous mon... J'avais mon bras comme ça et elle se cachait dans le creux de mon bras pour pas que la veto elle la voie. Mais bon, comme je lui dis, la tête cachée ne fait pas que le corps est caché. Donc elle a eu sa pic-pic quand même. Elle est en pleine forme. 26,6 kg, la demoiselle. Elle a maigri de 400 grammes alors qu'on pensait qu'elle avait grossi. Comme quoi, hein. Donc voilà, elle est en pleine forme. C'est cool. Donc ben moi je vais m'attaquer, je vais me faire un petit café et je vais m'attaquer au montage des vidéos qui suivent. C'est parti. Les petits loups. Il est quasiment 19h puisqu'il est 18h55. Bah chéri va plus tarder à rentrer parce qu'il m'a appelé, il était 18h30, comme quoi il avait fini sa journée. Donc je suis trop contente. Il va rentrer tôt pour une fois, ça fait du bien. On va pouvoir se poser pour une soirée tranquille. Et ça j'adore. Ce que je vais faire, moi, ce soir, j'avais décidé de faire des spaghettis bolo. Parce que ça fait des lustres qu'on n'a pas mangé des spaghettis bolo et que j'en avais envie. Donc, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, spaghettis bolo pour ce soir. J'avais acheté du bœuf. Faut que je trouve ma tomate. Hop. Alors, attendez, c'est quoi ça? Bon, enfin bref, je vais chercher ma tomate toute seule comme une grande, je n'ai pas besoin de vous et je vais faire mes spaghettis bolo. Alors pour faire mes spaghettis bolo, rien de plus simple, je mets de l'huile dans une poêle. Vous savez faire les spaghettis bolo, mais peut-être pas comme moi, je sais pas, chacun fait les spaghettis bolo. Je sais qu'il y en a, ils font des pâtes et ils mettent juste une sauce bolo. Donc moi je mets de l'ail dans une poêle, un petit peu d'oignon, je fais revenir, je mets la viande hachée, je cuis. Je mets ma sauce tomate et je mets à feu très doux pendant un moment pour que tout prenne le goût, pour que la viande prenne bien le goût de la tomate et tout. Et après, on met sur les pâtes, tout simplement. Donc c'est trop bon. Donc voilà, spaghetti bolo pour ce soir, les gars. Bon, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Demain au programme, ben vous verrez demain parce que je ne sais pas trop. Enfin si, je sais, mais je vais pas vous le dire là parce que sinon je vais me répéter demain matin. Bisous. Coucou. J'ai sorti la grosse écharpe ce matin parce que il y avait 0 degré ce matin quand je me suis levée. Là il y a 1,6 et la voiture elle est gelée. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez pas trop mais la voiture est gelée. Donc il caille un peu, voilà. Je vais rentrer Birdie. Mademoiselle est retournée dans, dans le lit parce qu'il est tôt encore. Il est 8h35. Ouais, je me suis levée, il était 7h15 et il faisait... Il faisait froid, très froid. Et d'ailleurs, chérie a sorti
le petit radiateur d'appoint parce qu'on n'a pas encore mis le chauffage. Parce que en fait c'est aujourd'hui où il fait très froid comme ça, mais après ça remonte un petit peu, il fera 7-8 degrés le matin et dans la journée on aura encore 19, donc ça va. Mais aujourd'hui franchement il caille, il fait très froid aujourd'hui. Mais bon voilà, il y a 15,9 dans la maison, donc il y a 16 degrés dans la maison, donc un petit peu de chauffage ça fera pas de mal. Bon, aujourd'hui ce matin, ma maman doit passer me voir pour régler des soucis de papier, voiture et tout. Bref, succession oblige. J'ai des devis à envoyer, j'ai des colis à aller mener au point relais. D'ailleurs, il faut encore que j'en emballe. Il faut aussi que je monte une vidéo. Et je crois que c'est bon. Et si j'ai le temps, je vous tournerai des vidéos aussi. Parce que je veux prendre un peu d'avance dans le tournage de vidéos pour mes vacances. Parce que ça approche à grands pas. On est à quasiment une semaine du départ maintenant. Puisqu'on part samedi 12. Donc il faut que je prenne de l'avance pour vous ayez des vidéos pendant mes vacances. Vous voulez la tenue du jour ou pas? Ouais, ouais. Bon, allez, j'enlève l'écharpe et je vous montre la tenue du jour. Petite tenue du jour, la voici. Donc aujourd'hui, on est Black is Black. C'est un gilet que j'ai eu sur Shein, un long gilet que j'ai fermé parce que je trouve ça sympa. En dessous, c'est un petit top lingerie que j'ai eu chez Shein aussi. Celui qui a de la dentelle en bas. Et le pantalon, c'est un pantalon... C'est un pantalon noir, je vais vous montrer comme ça, à rayures que j'ai eu chez Shein aussi. Et les petites chaussures, je ne sais plus d'où elles viennent. Je crois que c'était chaussée à celle-là. Donc voilà, pas de basket aujourd'hui, vous avez vu, pas de basket. Donc voilà un petit peu le look avec la tenue. J'aime bien, voilà, petit look simple mais j'aime bien. Sinon au niveau des bijoux, il y a des boucles d'oreilles que j'ai eues chez Kiabi ou La Halle je crois. Ou Adopt, non c'est Adopt celle-ci. Le petit collier qui tournicote que je dois remettre en place, c'est Happiness Boutique. C'est un double rang vous voyez, mais il tournicote souvent. Ensuite la bague, c'est une bague que j'ai eue chez AliExpress. Et les bracelets, il y en a un qui... Le premier c'est... Le jonc là c'est Emma et Chloé. Et le deuxième c'est un bracelet que ma meilleure amie m'avait offert une année à Noël. Voilà. Et pour le make-up je me suis maquillée avec la Naked It. Oui j'ai ressorti la Naked It ce matin, j'en avais envie. Et sur les lèvres c'est le Mocha Chic de chez L'Oréal. Voilà un petit peu, vous savez tout. Bon allez. Bon j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je vous ai pris. Mais non il est déjà 10h moins le quart. J'ai déjà bien bossé puisque j'ai envoyé mes devis, j'ai imprimé mes paquets, mes papiers pour le Mondial Relais, pour Vinted. Ah, j'ai dit Vinted. J'ai fait mes colis et tout, donc vous voyez derrière il y a deux gros sacs à emmener au relais. Il y a un truc sur mon écran. Ouais, c'est bon, c'est parti. Là j'ai qu'une envie, c'est de me faire un café pour me réchauffer. Bon ça monte dans la maison hein, je vous rassure. On est arrivé à 17, tout va bien. Et dehors c'est remonté à 6, donc c'est cool. Puis j'ai pas froid avec. Franchement ce gilet là de Shein, il est hyper top. Il est dans ma dernière vidéo que vous avez vu lundi dernier. Pas lundi qui était passé là mais celui d'avant. Et là je vais me poser pour monter des vidéos. Donc je vais prendre mon planning pour faire tout bien comme il faut. Parce que ce matin je m'occupe de vous. Et cet après-midi ce sera repassage et tout le tralala. Faut que je mette à jour mon agenda aussi. Je vais faire des conneries, je le sens. À une main c'est pas évident. Alors hop. Donc le 2 on est passé, on est le 3. Donc ça c'est bon. La vidéo de vendredi il faut que je fasse. Elles sont en ligne en fait, vendredi, dimanche et lundi. Elles sont mises en ligne déjà sur, sur YouTube. Mais il faut que je fasse les miniatures et que je mette les barres d'infos. Donc je vais faire ça en attendant que la vidéo que je dois monter se charge sur le logiciel. Faut que je trouve une vidéo pour le 11 mais je crois que je l'ai déjà. Et puis j'avance, j'avance. Et l'air de rien, il faut que je prévoie mes vidéos jusqu'au 18. Donc on sera déjà mi-mois octobre. Le temps passe à une vitesse les gars, c'est juste incroyable. Voilà, bon allez, petit café. On se fait un petit café? Ouais. Vous voulez un petit café avec moi? Ouais. Allez, un petit café tous ensemble. Ce serait trop cool. Non mais sérieux, ce serait trop cool qu'on puisse se faire un moment où on boive un café tous ensemble et tout. Ce serait de la balle, hein. Non? Vous en pensez quoi? Moi j'aimerais bien en tout cas. Moi j'aimerais bien pouvoir boire un café avec vous toutes. Me poser, enfin vous toutes, comment vous dire? On arrive à 23 700 je crois, on est à 23 698 je crois ce matin. Donc avec vous toutes, boire un café, ce serait le pied total, mais je pense que c'est totalement impossible. Voilà, mais avec quelques-unes d'entre vous, ce serait trop cool. D'ailleurs, si vous êtes de mon coin, si vous n'êtes pas loin de chez moi,
Si vous êtes dans le coin de Flixecourt, d'Amiens, d'Abbeville, ou que vous n'êtes pas loin, ou que vous avez envie de vous déplacer pour me voir, bah dites-le moi, parce que ça peut être sympa de se dire, bah tiens, tel jour, on va boire un petit café ensemble. Alors même si c'est qu'à deux, même si c'est à trois et tout, bah pourquoi pas. Ça peut être sympa de vous rencontrer, de vous rencontrer, boire un café avec vous, d'échanger, voilà. Et surtout, comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis, si vous voulez me parler, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, tous autant qu'ils soient, que ce soit plus sur Instagram quand même, parce que je papote plus sur Instagram, j'avouerai que Facebook, j'y vais de moins en moins, mais n'hésitez pas à me contacter et on papote ensemble un petit peu. Je le fais déjà pas mal avec certaines d'entre vous sur Insta. Et j'aime bien, et les stories Insta, j'aime de plus en plus faire des stories Insta, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je partage d'autres choses avec vous, certaines choses sont un peu redondantes avec les vlogs, j'avoue, mais en général, je vous partage plein de petites choses, pas mal, je vous ai partagé les degrés qu'ils faisaient, voilà, j'essaie de faire un petit lien avec vous, parce que, voilà, c'est important pour moi, et je trouve que vous parler, vous répondre, échanger des choses, même regarder vos stories et tout, j'aime beaucoup, et vos petits posts, donc voilà, allez, sur ce, je vais bosser. Parce que l'air de rien, papoter avec vous c'est bien, mais bosser pour vous c'est encore mieux. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve vendredi, il est 9h15 et on attaque une nouvelle journée. Donc je vais manger avec les amis ce midi, je vous ai mis ma veste, mon perfecto pour vous montrer la tenue avec le perfecto. Et sinon avec, je vais mettre ma grosse écharpe noire dont je vous ai parlé hier. Allez, je vous montre la tenue du jour, c'est parti. Petite tenue du jour, la voici. Donc j'ai mon petit perfecto que j'avais eu. Alors je sais plus si c'est Click and Fit ou l'autre box ou Look Hero, je ne sais plus bien, mais je crois que c'était Click and Fit. Et il est trop beau et en plus il me va beaucoup mieux que quand je l'ai gardé. Donc je suis trop contente, il est trop joli. La robe, c'était une robe de chez Look Hero. Elle est trop trop belle aussi. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Hop, voilà. Je l'adorais l'hiver dernier et là je l'ai ressorti, enfin le printemps dernier et je l'ai ressorti. Col en fin noir et petite basket style Converse bleu marine pour aller avec la robe. Je vous montre donc le voilà, reste. Donc voilà, sans le perfecto, ce que ça donne. Le petit collier, c'est un collier qui me vient de chez Emma et Chloé que j'adore. Au niveau des bijoux, j'ai mis des petites boucles d'oreilles comme ça qui viennent de chez ma box bijoux. La bague j'ai pas encore mis et les bracelets, ce sont des bracelets qui viennent de chez Constance et compagnie. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et voilà, j'en ai reçu d'autres, j'en ai commandé. Alors les trois c'est 20€, donc je trouve que ça va, c'est plutôt sympa et je suis trop contente. En fait c'est de acheter à offert, donc elle me les a fait vraiment sur mesure comme je voulais. Et je trouve que le tout va bien avec ma robe aujourd'hui, donc j'ai mis les trois du coup. Au niveau du maquillage, je me suis maquillée avec la palette Lolita de chez Kat Von D. Et pour le coin interne, pour faire un point lumineux, parce que la palette Lolita, elle est assez mate, je vais vous montrer après. J'ai utilisé... Attendez, je vais vous montrer ça. Donc la palette Lolita, elle est très très jolie. Elle est dans les tons rosés. Par contre, elle est complètement mate. Hop, je l'avais achetée dans un vide placard. Et je ne l'avais pas payé très très cher en fait. Donc je vais vous me retourner pour vous montrer ça. Donc la palette Lolita de chez Kat Von D, c'est celle-ci. Hop, et à l'intérieur, les fards se présentent comme ça. Donc j'ai utilisé celui-ci pour le creux de paupière, celui-ci pour le coin externe, celui-ci pour le milieu de paupière, et celui-ci pour mon ras de cils inférieur avec en remontant sur le coin externe. Et pour le coin interne et le dessous de l'œil, j'ai utilisé celui-ci de la palette. Celle-ci, là, c'est la Alchemist Holographic Palette, toujours de chez Kat Von D. Et il est trop, trop beau. Voilà. Vous savez tout, oui et non, parce que je ne vous ai pas parlé de ce magnifique rouge à lèvres qui est juste sublime. Je vais vous en parler tout de suite. Je les ai reçus hier. Je vous en parlerai dans un haul très prochainement. Ce sont les rouges à lèvres de Peekaboo. En fait elle a fait une collection de rouges à lèvres avec Beauty Success et donc j'en ai reçu trois. J'en ai commandé trois, des couleurs qui me plaisent beaucoup. J'adore les teintes qu'elle a sorties. Franchement, et Peekaboo, c'est une youtubeuse que je suis. Donc les rouges à lèvres, c'est les rouges séduction de chez Beauty Success. Ça se présente comme ça. Ça veut bien faire le focus, voilà. Il y a sa petite signature, voilà, comme ça. Et celle-ci, c'est la teinte qui a été faite en hommage à sa sœur. Enfin, en hommage.
pour remercier sa sœur. C'est le Baby Boo, le numéro 102, et ça fait partie des collections mat. Il est juste sublime. Juste sublime. Je vais en remettre juste un petit peu. Voilà. Il est magnifique. Franchement, il est superbe. Les deux autres, bah, je vous en parle pas là. Je vous en parlerai dans la vidéo haul. Mais franchement, j'en suis trop contente. Bon, j'allais le remettre dans le paquet, mais je vais le prendre avec moi. Ils sont juste magnifiques. Et j'avais déjeuné. Donc, vous voyez, quand même, ça tient, ça a l'air de tenir plutôt pas mal. La bague. Qu'est-ce que je vais mettre en bague? Qu'elle va te mettre en bague. J'ai bien envie de ma bague coquillage de chez Emma et Chloé. Elle doit être dans la cuisine parce que par moment je les retire dans ma cuisine. Ouais, elle est là. Attendez. Par moment je les retire dans ma cuisine quand je fais la vaisselle. Donc. Voilà, la petite bague coquillage de chez Emma et Chloé. Et de l'autre côté, je mets ma MC91 bijoux que j'adore. Voilà. Voilà, voilà pour ce matin, ce que j'avais à vous dire. Donc, ce matin, il faudrait que je passe chez Leclerc à Amiens. Parce que chez Leclerc, ils ont toujours un rayon collant qui est plutôt pas mal. Donc, il faudrait que j'aille voir chez Leclerc pour acheter des collants. Parce que mettre des robes, c'est bien. Mais ce matin, j'ai mis... première chose de ce matin. Je mets un collant neuf et je l'ai craqué. Vive les collants et l'automne, les gars. Bon bah écoutez, moi je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là ce matin. Je vais checker un petit peu mes mails et après faudra que j'aille récupérer un colis qui est un point relais en début d'après-midi. Et puis voilà, et puis je vais pas tarder à partir je pense, d'ici une bonne demi-heure. Donc voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir encore quelque chose à vous dire, mais je ne sais plus. Il a fait beaucoup moins froid cette nuit que la nuit d'avant, puisque ce matin, quand je me suis levée, il y avait déjà 10 degrés. Là, il y a déjà 12, et ça va un peu mieux. Parce qu'hier, il pelait sévère hier. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je vous laisse. J'arrête de blablater pour rien. Je vous fais des bisous, et je vous dis... bon, me revoilà Damien. J'ai quelques petites choses à vous montrer en vidéo haul, donc je vais me préparer tout ça, préparer tout ce que j'ai à vous montrer et tourner la vidéo haul puisqu'il est 5h-20 mais que j'ai le temps, donc voilà, j'ai pas de trucs particuliers à faire puisque la maison est propre, donc voilà. Ah tiens, j'ai pas posté mon colis modem ce matin, faudra que j'aille lundi. Bon, je vais préparer tout ça. Et je vous tourne la vidéo haul, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul, je suis très contente d'en faire une. Bon voilà, j'ai filmé mes deux vidéos. Là je vais me faire un petit cappuccino parce que j'en ai envie. Et puis il est 6h20 je crois. J'attendrai patiemment que mon homme rentre. Ce soir au programme c'est pizza. Vous savez que le vendredi soir c'est sans prise de tête en amoureux. Et ouais, ça va me faire du bien. Un petit peu de détente. J'ai beaucoup couru cette semaine l'air de rien. Et pour des choses à droite et à gauche. Et la semaine prochaine... elle est un petit peu pareille, on va courir encore la semaine prochaine. Et la semaine d'après, vacances. Ça va faire du bien. En famille et tout, on va être bien. J'espère qu'il va faire beau. C'est tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas pleuvoir toute la semaine. Parce que sinon, ça va être compliqué. Bref. Donc là, je vais me poser un petit peu devant des vidéos YouTube. Je vous ai filmé deux vidéos de haul que vous aurez la semaine où je serai en vacances. Donc la semaine prochaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Un haul mode qui sera lundi et un haul beauté qui sera vendredi. Et puis vous aurez la vidéo vlog de semaine le mercredi comme d'habitude, que j'arrêterai le vendredi comme quand je pars en vacances. Et voilà, donc le temps de filmer les deux vidéos et de tout ranger, et ben voilà. Du coup j'ai remis des produits que j'avais reçus et tout dans la salle de bain qu'il faut que je teste. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps quand je les aurai bien testés. Et voilà. Bon bah écoutez, mon petit cappuccino passe, je vais me caler devant des vidéos, j'attends que mon chéri entre. Et puis le week-end a commencé, mais le week-end va être assez mouvementé aussi puisque demain, vous savez pour celles qui me suivent, on a coupé le gros sapin dans la cour, dans le jardin, et ils n'avaient pas pu tout couper parce qu'ils avaient un problème de chaîne de tronçonneuse et ils viennent demain pour finir de le couper. Donc demain matin, et puis du coup demain je pense qu'on va s'occuper un petit peu du jardin. Parce que je voudrais tailler les arbres. Et je crois que c'est le bon moment parce que les gens des communes commencent à couper les arbres un peu partout. Donc en général quand les gens des communes, les travailleurs communaux coupent les arbres et tout, et c'est le moment. Donc voilà. Allez, je me pose, ça va me faire du bien parce que je suis un peu speed là, je trouve. Allez,
à tout à l'heure ou à demain. Coucou, je sais pas. On est samedi, il est 16h10. Pardonnez ma tête de... Je me demande même pourquoi je me suis maquillée ce matin, limite ça servait à rien, je suis décoiffée de partout. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, on avait coupé un sapin dans le jardin il y a... Je crois que c'était début août, s'il me semble bien. Et si vous voulez, non c'était avant ça, enfin bref, je sais plus bien quand c'était. Et il restait un mètre de tronc en hauteur, donc ils sont passés ce matin pour l'enlever. Ils en ont eu beaucoup de mal à l'enlever, j'allais dire chier, mais bon ben voilà. Ça a été très très sportif et donc du coup moi pendant ce temps là j'ai fait débroussaillage, donc j'ai enlevé un petit peu, coupé des arbres machin pour l'hiver pour qu'il soit mieux. Je sais pas qui m'a mis plein de terre là-bas, ça doit être mon mari. Mes sols sont dans un état catastrophique, bref. Donc je vous disais, donc oui, j'ai coupé des arbres pour les élaguer un petit peu pour qu'ils soient prêts pour l'hiver. Et donc du coup on a fini ce qu'ils avaient à faire, ils ont réussi mais avec beaucoup beaucoup de mal. Et là cet après-midi j'ai tout mis en sac, les coupes que j'ai fait ce matin, donc il faut recouper pour mettre en sac. Chéri est parti à la déchetterie une première fois, il est revenu, on a remis du bois parce que le sapin fallait le couper, il est reparti à la déchetterie une deuxième fois. Bref, plein de choses à faire cet après-midi, je vous retrouve plus tard. Coucou, donc je vous finis ce vlog à lundi matin puisqu'hier... J'ai pas vlogué du tout, samedi j'ai très peu vlogué aussi. Et si vous voulez me suivre comme ça quand je vlog pas beaucoup, je fais des stories Insta. Donc si vous me suivez pas sur Insta, vous auriez dû, puisqu'hier j'ai partagé quasiment toute ma journée sur Insta avec plein de petites choses en story. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben rien de spécial. Je finis ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog. Et à très bientôt dans d'autres vidéos.